Puis Baby Doll de Ponton City, le Phénix de la joie, pour ceux qui me connaissent déjà. Donc, Dieu a renvoyé du paradis et des enfers venir guérir les côtes malades. Voilà, je suis ici pour vous présenter le sommaire de cocktail vague. Ça veut dire vous dire les différentes rubriques que vous aurez à suivre aujourd'hui qui sont représentées par nos challengers qui sont ici en formation. Et soyez scotchés parce que les thèmes seront très solides. Donc, nous aurons l'émission de l'école qui sera présentée par Gilles Benapitra et Audrey Nzambi. Nous aurons Connexion musicale qui sera présentée, vous connaissez déjà avec qui, ZZ, encore avec Baby Doll, on verra par rapport au poids du plateau. Et nous aurons Éducation familiale qui vous sera présentée par Gomes Kélé et Athéna Diamonica. Les thèmes, vous voulez ce qu'ils veulent, c'est savoir les thèmes de chaque groupe. Moi, je pense que ce serait mieux que même ils vont vous présenter les thèmes. Voilà. Après, nous aurons les pouvoirs de la télévision et du téléphone sur nous. Nous aurons la joie de retrouver l'équipe qui vous avez peut-être mieux flatté avant sur cette rubrique. Donc, Prince Makaya et Mariana Bikalou. Après, nous aurons la rubrique l'hygiène corporelle et environnementale qui vous sera présentée par Edwige Mpouka et Fred Banzeza. Et enfin, nous aurons éducation sportive et physique, suivi aussi des sports, bien sûr, qui vous seront présentés par Céleste Luemba et Jean Balzac. Voilà. Voilà un peu pour le sommaire de Cocktail Vac aujourd'hui. Comme on a su vous dire que c'est le dernier numéro, donc soyez quand même assez gentils d'encourager ces enfants à travers vos SMS. Ça serait quand même aussi l'occasion pour vous, chers téléspectateurs, de dire si ces enfants ont évolué ou pas, et surtout si ces termes qu'ils vont vous apporter aujourd'hui attirent beaucoup votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Babydoll, donc les rubriques qui vont donc meubler cette émission, ce dernier numéro, venait donc d'être cité par Babydoll. Alors, Babydoll, il faut profiter de cette occasion de souhaiter une belle semaine aux parents, à tes amis. C'est toujours important, c'est toujours bien Oui, c'est de se vrai. souhaiter une belle Voilà, semaine. belle semaine, Bonne journée. surtout bonne journée. Si on dit depuis semaine, c'était déjà hier lundi, mais quand Ouais, on c'est le se deuxième recommence jour. aujourd'hui, Ah, le mais deuxième oui, c'est jour, juste le je vous deuxième. souhaite que du bonheur, surtout beaucoup plus de réussite sur tout ce que vous êtes en train de faire. Et pour les croyants, que Dieu achève déjà ce qu'il a si bien commencé pour vous. Toi qui me regardes, c'est vrai que mon cerveau est tellement assez embrouillé que je ne retiens pas assez de noms. Mais pour ne pas ici faire la jalousie des noms, j'aimerais juste dire à toute personne qui me regarde, je vous souhaite que du bonheur, des réussites, tout ce que vous voulez que Dieu et la nature vous accordent. Merci beaucoup, Baby Doll. Allez, est-ce que tu adores manger des champignons? Oui, hein, j'adore, Oui, oui. moi, je ne savais pas, j'ai fait un tour avant-hier, mais j'ai vu au marché des champignons. Déjà? Ah oui, samedi, je dis, mais moi, je ne savais pas. Je dis, mais je suis en retard. Oui, là, Ah oui, j'en ai vu au marché de l'OCH, je me suis dit, il y a cette semaine, il faut que j'en mange. Allez, on va expliquer aux enfants, avec cette rubrique à table des enfants, ce que c'est les champignons. Moi aussi, je vais suivre. Mais oui, on va apprendre. Allez, à table des enfants, Tati, on va proposer aux téléspectateurs, mais surtout aux enfants, cette rubrique qu'ils adorent parce qu'ils apprennent beaucoup de choses. C'est quoi le champignon? Allez, à table des enfants.